Salut guys, today on est là pour une nouvelle vidéo, comme toujours. So, aujourd'hui, je vais vous parler du story time. Donc, c'est vraiment une vidéo spéciale vu que je fais rarement des story time sur ma chaîne YouTube. Donc, avant de commencer, si tu es toujours pas abonné à moi, abonne-toi live. Hop, puis commençons. So, je vais vous raconter la fois où mon copain, à l'époque, m'avait laissé pour une autre. Donc, c'est vraiment une histoire assez complexe que je vais essayer de la simplifier. Mais vraiment, à l'époque, je sortais avec un gars et tout. On avait fait quand même beaucoup de temps ensemble. On avait cassé, repris. Vraiment, c'était vraiment comme du n'importe quoi, cette relation-là. Puis, on avait repris, mais c'était comme discret, tu comprends? On avait repris, mais personne ne le savait. Mais tu sais, on avait repris, genre. Puis, quand on avait repris cette fois-ci-là, ben comme c'était quand même assez bien la relation, tu comprends? Je me suis dit, OK... Maintenant, je vais vraiment être sérieuse avec ce gars-là. Donc, je pense que vraiment, genre, ça peut comme marcher maintenant et tout. Donc, vraiment, je me suis dit, OK, je vais être sérieuse. Lui aussi, je voyais un peu qu'il était un peu sérieux. Mais en réalité, guys, depuis comme au moins, je pense, si je me rappelle bien là, ça fait vraiment comme assez longtemps pour de vrai. Mais si je me rappelle bien, à l'époque où je pensais que ça marchait bien entre nous deux, mais en réalité, ça faisait comme 2 semaines qu'il voyait une autre fille. Puis comme je savais même pas, puis comme cette fille-là, je l'avais vue au McDo et tout. Puis comme il y avait tous les gars, puis il y avait elle et tout, c'est comme, je me suis jamais fait à l'idée que genre, cette fille-là, peut-être elle fréquentait comme mon copain à l'époque, genre, tu comprends? À chaque fois que cette fille-là était là, puis lui aussi était là, je voyais qu'il comme, il était un peu gêné, mais comme, tu sais, moi, à l'époque, j'étais comme super, comme... Je n'étais pas réveillée, tu comprends? Je me suis dit, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il paraît mal à l'aise quand je suis là, puis elle est là, tu comprends? Non, comme je ne suis jamais fait ce genre de questionnement-là, tu comprends? Puis une fois, genre, mon copain à l'époque, il était avec elle, puis un autre gars... Puis, tu sais, je lui ai dit, puis c'est qui elle exactement? Parce que, tu sais, je la vois tout le temps, cette fille-là, comme c'est qui? Puis lui, à l'époque, il m'avait dit, oh non, t'inquiète, c'est le copain de mon ami et tout, tu sais, le gars qui était avec lui. Là, je suis comme, ah, oh, ok, puis tout, ah, c'est chill, c'est cool, tu sais, un jour, on devrait chill ensemble, nanana. Mais yo, c'est même pas vrai, ok? C'était même pas vrai, c'était sa copine à lui, ok? Lui, il m'avait menti. J'étais vraiment pas allumé dans ce temps-là, tu comprends? Puis en plus, quand il m'avait dit que c'était la copine de son ami, j'étais comme, ah, mais ça fait du sens parce que, tu sais, ils font un beau couple, là, puis c'était même pas vrai, là. En tout cas, sur un jour, je marche avec mon ami pour aller à la bibliothèque et tout, puis tu sais, genre, je lui parle, puis tu sais, je lui dis... Oh, moi et un tel qu'on va l'appeler Jérémy, ok? Moi et Jérémy, ça va vraiment bien ensemble et tout. Je pense vraiment que cette fois-ci, ça va marcher. Puis, tu sais, mon amie était tellement contente pour moi. Elle était comme, waouh, je suis vraiment contente pour toi et tout. La même journée, là, ok? La même journée, on est parti à la bibliothèque. Puis, comme, on parlait de ça, ok? Que, genre, elle était vraiment contente pour moi et tout. Puis, même moi, genre, je me sentais comme heureuse, tu comprends? Puis, tu sais, je marchais pour aller à la bibliothèque vu que c'était la fin de l'année. C'était beaucoup d'examens et tout. Je vois tout le monde dans le parc, ok? Je vois tout le monde, je vois la fille en question qu'on va l'appeler Laura, ok? Je vois Laura, je vois Jérémy, je vois mes autres amis, je vois tout le monde. Tu vois, je suis comme, ok, il y a un chilling, on va pas éviter. C'est comme, what's up? Genre, il y a quoi, tu comprends? Là, je suis comme, ok, je suis allée tout le monde et tout. Là, je suis comme, ok. Là, je vois mon copain, je dis allô, ça va. Puis lui aussi, il me dit allô. Puis je voyais qu'il était comme malaisé, genre, tu comprends? Mais je comprenais pas pourquoi et tout. Même la fille, comme, elle restait à côté, puis elle était comme, Puis comme, moi, je comprenais pas. Mais tu sais, comme, j'ai pas comme allumé. Puis tu sais, tout le monde me regardait. Là, je suis comme, yo, c'est quoi qui se passe? Comme, c'est quoi qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? En tout cas, j'ai pas plus occupé que ça. Puis je suis partie à la bibliothèque et tout. Là, on va à la bibliothèque et tout, on est assis à côté de la fenêtre. Je me lève pour regarder comme dehors, pour voir qu'est-ce que mes amis font et tout. Là, je regarde à la fenêtre, ok, puis je vois que mon copain, ok, il marchait comme vraiment quand même collé avec la fille. Wait a minute. C'est pas mon copain, là, qui est collé avec la fille, genre. Ok, non, 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 il y a quelque chose qui se passe, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe, tu comprends? Comme je voulais pas trop en parler avec mon ami que j'étais allée à la bibliothèque avec, parce que comme, tu sais, on était venu pour étudier, tu comprends? Comme j'en ai pas parlé et tout. Puis là, ok, mes deux autres amis qui étaient aussi dans l'assemblement et tout au parc avec tout le monde, ils rentrent dans la bibliothèque puis ils me disent « Yo, Tika, j'ai quelque chose à me dire, blablabla. » Puis là, je suis comme « What the fuck, c'est quoi qui se passe? C'est quoi, quelqu'un est mort? » Comme comment ils sont venus dans la bibliothèque, ils ont mis une sauce, ok? Je suis comme « Yo, c'est quoi qui se passe? »
you know. Là, il rentre, il dit: yo, Jérémy, ok, yo, tu sais qu'ils checkent Laura et tout, et ça fait un bout qu'ils sont ensemble, nanani, nanana, oh, aujourd'hui t'es ensemble, pis que comme yo, t'étais tellement gênée quand t'étais là, blablabla, blablabla. Yo, quand je vous dis que, quand mes amis sont venus me raconter ça, ok, j'étais tellement comme saisie, genre j'étais juste comme: yo, Tika, t'étais tellement conne. Yo, comme la fois quand j'avais vu au McDo, là, puis c'était à côté, puis il y avait les autres. Ou la fois quand j'avais vu avec l'ami de mon copain à l'époque, et tout. Puis là, lui, Jérémy, m'avait dit comme ça que non, c'était la copine à son ami, puis que c'était même pas vrai, c'était sa copine à lui. Quand la fois, aussi, quand je lui avais parlé, puis je lui avais dit: ah, c'est où tu l'as connue, la fille, by the way? Puis lui, il m'avait dit: oh, je l'avais connu au métro et tout. Toutes ces fois-là, ok, je me suis dit: yo, pourquoi il n'y a pas eu comme une cloche? Tu comprends? C'était tellement comme évident. C'était tellement évident qu'il se passait quelque chose entre ces deux-là. La fin était devant mes yeux. Puis quand je ne me suis même pas rendu compte qu'il se passait quelque chose entre les deux, tu comprends? Quand je vous dis que si vous pensez qu'il y a une petite cloche là, si vous voyez quelque chose là, disait pas: ah non, c'est rien, mon copain ferait pas ça, ah non. Si vous voyez quelque chose là, réveillez votre cloche là, ok? Parce que il se passe quelque chose de wrong, mon gars, ok? Ne vous dites pas que: ah non, il ferait jamais ça, parce que yo, on connaît jamais quelqu'un, ok? On connaît jamais quelqu'un. Bref, après, quand les femmes sont venues me voir pour me dire: yo, ton partenaire, genre, il check une autre femme et tout, fais attention. Et tu sais, quand je suis partie regarder dans la fenêtre, j'ai vu qu'il était plus là, tu comprends? Donc là, ok, quand j'ai vu qu'il était plus là, je me suis dit: ah, oh, ok, c'est pour ça qu'il, genre, il était comme, il se sentait mal à l'aise et tout, puis que comme je les ai vus partir ensemble, puis tout coller ensemble, tu comprends? Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait, genre, tu comprends? Après ça, comme dans la soirée et tout, ben, je l'inbox, j'envoie un message, puis je lui dis comme: est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que les femmes m'ont dit, tu comprends, que tu checkais cette femme-là? Puis il me dit: ouais, c'est vrai, blablabla. Tu sais, comme il se justifie un peu. Là, je suis comme: ok, sur la fois quand tu m'avais dit comme ça que c'était pour ton ami et tout, comme c'était pas vrai et tout. Là, il était comme: non, c'était pas vrai, blablabla. Là, j'ai dit: ok, donc c'est pour ça que je t'ai vu aussi dans la bibliothèque et tout. Puis comme t'es parti vite avec elle quand tu m'as vu. Là, ok, genre, il nie les faits, puis il dit que non, c'est pas vrai, il est pas parti. Tandis que je l'ai vu de mes propres yeux qu'il est parti, là, tu comprends? Puis après, comme il a toujours nié le fait que je l'ai vu dans la bibliothèque. Que moi, j'étais dans la bibliothèque, puis je l'ai vu, puis qu'il est parti. Il a toujours nié ces faits-là. En tout cas, bref. Je me posais plein de questions parce que yo, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait et tout. Puis tu sais, comme quand genre, il m'avait annoncé tout ça et tout, genre j'étais tellement comme anéantie, guys. Puis peut-être vous allez dire: Tika, t'exagères, t'es jeune et tout. Mais non, mais c'est même pas le fait que j'étais jeune, c'est même pas le fait que je sais pas trop quoi. C'est vraiment le fait que yo, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas comment réagir. J'étais vraiment en peine d'amour, vraiment, vraiment, vraiment. Puis cette fille-là, Laura en question, j'étais jalouse d'elle, tu comprends? Parce que cette fille-là, okay, de un, cette fille-là était plus grande que Jérémy, de un. Je pense qu'ils avaient comme 2 ans de différence, un truc comme ça. Cette fille-là était vraiment belle, cette fille-là était stylée. Pour de vrai, comme, moi, je l'avoue, tu comprends? J'étais vraiment jalouse. Comme, tandis que moi, yo, j'étais au secondaire, j'étais vraiment laide. Yo, comme, faudrait, genre, si je peux vous montrer des photos de back then, là, de back in the days, là, j'étais vraiment laide. Faudrait, j'étais vraiment jalouse. Puis je sais comment, mon Dieu, pourquoi il m'a quitté pour elle et tout. Je sais qu'elle est plus belle que moi. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait comme 2 ans qu'on est ensemble. Tu m'as fait ça, blablabla. Bla, bla. Bref, comme faudrait, genre, j'étais vraiment anéantie. J'étais en peine d'amour. Tu sais, toutes mes amies me disaient comme ça: oh, Tika, give up, ça trouvait mieux. Tika, give up. Puis moi, je voulais pas give up. C'était l'été vraiment, que c'était vraiment la pire été où j'avais comme goumé genre au moins 4 fois. Je sais pas si vous avez vu ma story time, je vais le mettre ici là. Ma story time, on a cassé ma gomme McDonald's, mais c'est en lien avec cette situation là. Tout dans le fond, mon copain à l'époque, Jérémy, il m'avait laissé pour Laura. C'est le même été où on avait connu d'autres filles et tout qui sont venues comme dans le quartier où genre on habitait et tout. Il y avait une fille là-bas en question que elle aimait comme aussi genre Jérémy, tu comprends? So, Jérémy, lui, il a quitté Laura. Ok, puis l'autre, on va l'appeler Alexandra. Jérémy a quitté Laura. Il est parti voir Alexandra. Que Alexandra et moi, on s'aimait déjà pas à la base. Parce que pour de vrai, tout le monde disait comme ça qu'on se ressemblait et tout. Puis c'est vrai qu'on se ressemblait. Elle était drôle, j'étais drôle. Elle était grimace, j'étais grimace. Quand pour de vrai, on se ressemblait, mais
on se ressemblait pour de vrai, puis je pense que c'est pour ça qu'on s'aimait pas, parce qu'on se ressemblait, genre. Puis en plus, on aimait le même gars, tu comprends? Donc, Jérémy m'a quitté pour Laura, que Laura a comme juste give up sur Jérémy. Puis moi, j'étais encore là comme une conne, en train de me chicaner avec Alexandra, que genre, il y avait comme un contest, comme pour de vrai. Bon, du n'importe quoi. Ça, c'est notre story time que peut-être je vous raconterai, ok? Où je me suis battue avec elle trois fois, genre cet été-là et tout. Pour le reste, c'est vraiment du n'importe quoi, bref. So, pour conclure, à la fin de la journée, mon copain en question n'a pas repris avec moi, n'a ni repris avec Laura, puis n'est pas plus sorti avec Alexandra, tu comprends? Donc, à la fin de la journée, on était trois codes, mais vraiment plus moi, vu que Laura avait comme vague sur Jérémy. Alexandra, ben, elle était toujours sur le cas de Jérémy, moi aussi. Donc, pour le reste, on était comme deux connes. Mais vraiment plus moi, vu qu'il m'avait lâché, pour une autre. Puis, il était quand même avec elle. Puis, parfois, il me voyait. Comme, yo, une fois, ok, faut que je raconte ça avant que je finisse, ok. Une fois, ok, j'étais comme, yo, on devrait se voir et tout. Puis, il m'a dit, ouais, on devrait se voir. Puis là, à un moment donné, il m'a juste plus répondu. Puis après, j'ai su que, genre, il m'a plus répondu et tout, il voulait plus me voir. Parce que, comme, il est parti voir comme Alexandra. Donc, pour de vrai, dans l'histoire, c'est moi la vraie conne. Puis, comme, aujourd'hui, gars, j'aurais jamais fait ça. Okay. Donc, pour de vrai, ok, si vous voyez un gars, ok, que t'es avec ce gars-là et tout, puis à un moment donné, il veut juste être avec toi, il voit d'autres filles, puis, comme, il te dit clairement en plus qu'il veut pas être avec toi, pour de vrai, juste lâche l'affaire, ok, tu mérites mieux. Si le partenaire veut pas être avec toi, tu fais ok, fine, you know what, c'est bon, moi je m'en vais, je focus sur moi, je fais mes affaires. S'il y a un autre gars, ok, il y a un autre gars. S'il n'y en a pas, ok, fine, c'est pas grave, girl, tu comprends? Mais juste reste pas sur le cadre du partenaire si, comme, il veut rien savoir de toi parce que t'as l'air d'une conne, ok? Vraiment, t'as l'air d'une grosse conne. Puis, par expérience, j'avais l'air d'une grosse conne. So, guys, c'est tout pour cette mini story time. So, vraiment, j'espère vraiment que vous avez aimé la story ou que mon copain m'a laissé pour une autre et que je suis tombée en dépression tout cet été-là, ok? Vraiment, j'étais vraiment tombée en dépression pour de vrai, ok? Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé cette story time. J'ai tellement de story time à raconter parce que j'avoue que, genre, ma vie, en tout cas, mon ancienne vie a vraiment été du piment, tu comprends? J'ai des vidéos de moi en train de me battre. J'ai plein de convos où je me faisais comme flocher par mon ex. J'ai tellement de stories à raconter que je pourrais juste faire une chaîne YouTube par rapport à ça, ok? So, peut-être à l'avenir, je vais faire plus de story time si ça vous intéresse, bien sûr. So, si t'as aimé la story time d'aujourd'hui, tu sais déjà quoi faire, lâche un pouce bleu, commente et subscribe-toi à ma chaîne YouTube. Puis, guys, mais si t'as pas aimé la story time d'aujourd'hui, like, commente et subscribe-toi quand même à ma chaîne YouTube. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Bisous!